comme exprimé par l'ensemble des acteurs gravitant autour de l'acte de construire, le corpus normatif applicable aux territoires ultramarins est inadapté. Il est inadapté sur le plan environnemental, sur le plan économique et sur le plan technique. Cet étau normatif a un véritable impact sur nos dynamiques économiques, notre secteur en particulier. Il a pour conséquence d'augmenter le prix de la construction, de nous gréver de matériaux biosourcés, donc localement ou dans l'environnement régional, et ce faisant, il freine les coopérations interrégionales. Et sur le plan immobilier ou du développement immobilier, il tend à nous amputer d'un certain foncier disponible en le rendant inconstructible. Je voudrais vous donner, pour illustrer mes propos, quelques exemples. Je commencerai par la norme électrique qui impose aujourd'hui la mise en place dans chaque pièce à vivre et dans les chambres donc des prises Ethernet, donc prises téléphoniques ou dites RJ45. Donc c'est pour le filaire, hein, c'est pour le téléphone filaire. Cette obligation devient aberrante à l'ère du numérique et du Wi-Fi. Nous savons tous que nous avons une prise filaire pour le modem dans notre pièce principale. Pour le reste, nous fonctionnons en Wi-Fi. Je pense donc que faire progresser cette norme ne serait pas un tort, d'ailleurs, y compris peut-être pour l'Hexagone. Deuxième exemple sur les matériaux. Je prendrai l'exemple du bois surinamé qui ne peut être utilisé en Guyane, alors même qu'il constitue une véritable solution technique, car il résiste à l'environnement climatique de la Guyane, contrairement au bois provenant de la métropole. Hein, même le classe 4 est attaqué par les termites en Guyane. Il est moins coûteux. Il constitue une solution technique pour produire en masse et vite et répondre donc, par exemple, aux besoins de logements sociaux. Donc, pourquoi donc se priver d'une pareille solution? Je prendrai un autre exemple sur la réglementation PMR qui impose donc des bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris dans des territoires isolés comme les villages amérindiens ou des villages qui sont sur le fleuve, donc accessibles uniquement par le fleuve. Je citerai Providence à Apatou pour l'exemple. Donc cela devient effectivement un petit peu quand même aberrant. Enfin, je voudrais parler de la dichotomie qui est opérée entre l'isolation acoustique et l'isolation phonique. Donc la RTA Dom a certes évolué, mais il reste encore à la faire évoluer. Le confort thermique passe par de la ventilation et donc, par conséquent, par l'ouverture vers l'extérieur et donc une certaine perte en matière de confort acoustique. Donc je pense qu'il faut absolument mettre de la cohérence, là encore, dans la RTA Dom. Au-delà, donc, sans m'attarder sur les autres exemples, il apparaît nécessaire de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats pour dynamiser justement le secteur du BTP, le secteur de la construction et du logement social et de la construction de façon plus générale. Je vous remercie de votre attention.